Ouais, vous êtes où là? En direction de Concrète? Ouais, non, moi je rentre. Ouais, c'était une super soirée, la musique était top. Ouais, on se refait ça le week-end prochain. Carrément. Ouais, t'as vu la meuf en rouge dans la boîte? Putain, avant je suis allé la voir pour lui proposer de danser. C'est ce qu'elle m'a dit? Ouais, peut-être après, peut-être après. Putain, elle était bonne, elle. Ouais, je crois qu'elle était avec son frère ou un truc comme ça. Ouais. Attends, je te rappelle. Je t'en prie. Mais ne crains rien, ils ne sont pas mauvais. Ah, la jeunesse est parfois l'égal d'une beauté dangereuse, parce que trompeuse et éphémère. Son éclat peut masquer une personne malveillante ou peu gracieuse. Le tarot est un art divinatoire et un fabuleux instrument de la connaissance de soi, mais il est surtout une représentation de la structure de l'âme. Celui qui tire les cartes et interroge le tarot, se retrouve confronté à son état intérieur et il est guidé dans la recherche de sa propre profondeur. Cette pratique repose sur d'anciennes croyances quant à l'existence de forces mystérieuses et sur les liens invisibles entre les choses. Chaque arcane est un miroir, mais ça n'est pas une vérité en soi. Il devient ce que tu y vois. À ses débuts, le tarot n'a pas été créé pour prédire l'avenir, mais pour expliquer le voyage de l'âme. Le monde est ce que nous croyons qu'il est, mais le tarot nous force à revoir notre point de vue en le faisant sortir de la prison de l'âge. Et il nous oblige à nous observer avec un regard cosmique, éternel, infini. Son but est de découvrir le côté sacré de la vie au travers du voile des symboles. Il est la représentation sur Terre de la structure de l'univers. Tu me comprends? Rien, ils ne sont pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y avait dans les bonbons? De l'ergot de seigle. Oh, t'inquiète pas. Juste ce qu'il faut pour t'accompagner dans ton voyage. Quel voyage?
quoi vous parlez? C'est quoi ce délire? Ah! Le vrai mystère réside dans la destinée. Est-ce que tout est écrit ou sommes-nous les maîtres de notre destin? Je répondrai les deux. Eh bien, il y a une part qui est accumulée par le karma, la résultante des vies antérieures, et une autre part qui reste à écrire. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour atteindre l'union avec le divin, l'âme doit passer par la nuit obscure de la foi. À toi de jouer. Quand le rituel sera achevé, tu te lèveras et tu partiras à la rencontre de ton âme. Nunc incantatorum verba audite occultantur arcana nocte. Hic invocantur dii antiqui. In ora etie otierno postatem prestatem invoco. Le surnaturel, le pouvoir des ténèbres, tout ça est vrai. À cause de mes actions, je suis maudit et condamné à errer dans les limbes. Je suis un damné.
Surtout, je suis folle d'Argo. Je suis l'énergie sans limite, la liberté totale et le chaos. Tous les chemins sont mes chemins. Je suis détaché de tout besoin, de tout complexe et de tout jugement. Laisse-toi posséder par un esprit plus puissant que le tien. Laisse parler la folie originelle sacrée qui est en toi. Cesse de t'observer et libère ton instinct. Dépasse le rationnel et sois ouvert à la poésie de l'intuition. Et n'oublie pas, contrôle ton énergie. Et la liberté deviendra ta force. Fais ce qu'elle voudra. Allez, joue ensemble. Faut que j'y aille. Le temps de la paix et de la tempérance est venu. Je suis ton équilibre mental et émotionnel. Je suis ton gardien bienveillant et une bonne part de ton âme. Reconnais-moi et nous serons unis. Qui est cette créature ? Il représente une sorte d'ermite. Il éclaire ton chemin. Il est soumis à la réflexion et à la solitude intérieure. Son rôle est de t'affranchir de tes attaches. Pourquoi est-il si effrayant ? Parce qu'il est resté trop longtemps dans la solitude. Il s'est replié sur lui-même. Et s'est trop enfoncé dans la lumière froide de l'obscurité. Et qui est-il ? Il ne faut pas en être effrayé. Il est ton ombre intérieure. Il incarne la transformation profonde de l'ego et invite à une révolution de l'esprit. Il représente une libération radicale visant à préparer la naissance d'une nouvelle vie. Demeure l'étoile de la joie d'exister avec les autres. Sois rempli du bonheur avec tout ce qui t'entoure. Unis les battements de ton cœur avec l'univers tout entier. Va et confiance. Sois amoureux et laisse ton intuition danser avec ta raison. Ainsi, tu te trouveras. Allô ?
Ouais, je vais te rappeler. Non, ça va. Eh, tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai rencontré une fille super jolie. Et je l'ai suivie. Ouais, je l'ai suivie, quoi. Attends. Et j'ai rencontré un mec trop bizarre. Il m'a donné des bonbons au LSD. Ouais, il m'a donné des bonbons au LSD. Attends, faut que je te raconte, c'était trop puissant. J'ai rencontré dans un parc. J'ai vu une meuf trop bizarre. Elle est un peu en diablesse, tu vois. Et là, je passe devant le gars. Il me dit de m'asseoir, il me tire des cartes, un truc un petit peu bizarre dans ma main. Et il me tend un bonbon, et là je me suis retrouvé dans un endroit. Gars, un bad trip. Attends, vas-y, t'es où? Faut qu'on se voit et que je te raconte ça. Attends. Vas-y, je prends le métro, je te rejoins.